essayé. Je suis en retard. Bonsoir et bienvenue ce soir avec vous, Claude Sarotte, Caroline Diamant, Christophe Alévèque, Thierry Cochat, Philippe Gueluc. J'essuie mes lunettes parce que je veux lire ce qu'il y a écrit à la place de Gérard Miller qu'on attend. Parti travailler sur une chaîne concurrente. Ça, alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Impossible. Ça, c'est parce qu'une voyante qu'on a invitée dans l'émission il y a quelques jours, il faut quand même expliquer, a annoncé sur ce plateau que Gérard allait quitter l'émission. Bah, apparemment, c'est fait. Voilà. Parti, je veux bien, mais travailler. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Écoutez, je pense que ça va arranger les affaires de ceux dont on va parler maintenant. Passons tout de suite à la photo du jour. C'est leur photo, celle d'Hervé Guémard et de Clara Guémard. Dans Paris Match, on voit le couple et on voit que l'affaire rebondit. Là, c'est une photo prise dans la baignoire de leur appartement. C'est vrai que ça paraît un peu trop de continuer à se moquer d'eux avec cette affaire. Mais franchement, le ministre de l'économie tend chaque jour le bâton pour se faire battre, tellement il s'enfonce tout seul à chaque déclaration. La preuve, regardez dans Paris Match cette semaine, il déclare, alors que l'interview a été bouclée avant qu'on apprenne qu'il était déjà propriétaire d'un appartement à Paris, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Évidemment, si je n'étais pas fils de cordonnier, marchand de chaussures, mais grand bourgeois, je n'aurais pas de problème de logement, dit-il. » Je serai propriétaire de mon appartement. Évidemment, il ne savait pas qu'au moment où ce serait publié dans Paris Match, on saurait qu'il est en fait propriétaire d'un appartement dans Paris. Donc une fois de plus, il a menti. C'est terrible pour lui, mais finalement, il mérite toute la presse qui se déchaîne. C'est-à-dire qu'à chaque déclaration, non seulement il est malhonnête, mais il nous prend pour des cons. Voilà. Cela dit... Non seulement il est propriétaire d'un appartement magnifique, boulevard Saint-Michel, mais il le loue. Eh oui, alors je vais y venir. Il loue, c'est confirmé dans Le Parisien ce matin, son appartement dont il est propriétaire à quelqu'un qui a 8 enfants aussi. Alors, Guémard a peut-être 8 enfants, son locataire a peut-être 8 enfants aussi, mais en tout cas, c'est au niveau de sa défense que ça capote. Hein. Non. Mais vous savez, est-ce qu'on pourrait... ce que je voudrais quand même essayer de comprendre, si vous pouvez m'aider, c'est pourquoi un ministre qui sait qu'il est propriétaire d'un appartement à Paris dit à un journaliste, alors qui sait très bien que tous les journalistes vont pouvoir vérifier, dit « je ne suis pas propriétaire ». Alors, non, si tu reprends la phrase, il y a écrit « je ne serai... quoi, je serai propriétaire de mon appartement ». Ça sous-entendrait l'appartement dans lequel il habite actuellement. Oh là là, je voudrais pas t'avoir comme avocat, toi. Non. Bah, oui. Avocate de la défense, je vous dirais non. On voit bien que dans la phrase, évidemment, ça induit qu'il n'est pas propriétaire d'un autre appartement non plus. Je suis pas d'accord. Mais je vous assure, moi, je comprends qu'il n'a pas assez d'argent pour être propriétaire d'un 600 mètres carrés dans lequel il était logé. Voilà. Il est propriétaire d'un petit truc. Objection rejetée. Je fais évacuer la salle. Non, mais c'est fou. Mais comment vous arrivez à dire des choses pareilles? Mais c'est maladroit. Tout ça va très mal se terminer. Je voudrais qu'on revoie la photo complète du couple dans sa barquette. Regardez, il pose comme dans Titanic avec Céline Dion et vous savez comment se termine le film. En tout cas, pour l'instant, on nous dit que Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, ne souhaite pas la démission d'Hervé Guémard. Et on peut comprendre Raffarin. Pour une fois qu'il a trouvé un ministre sur qui on peut taper plus que sur lui, ce serait idiot de s'en séparer. On voit mal, en tout cas, comment le ministre de l'économie va pouvoir faire face à tous ces articles publiés aujourd'hui. La presse se déchaîne, évidemment. Guémard, la vraie facture dans Le Parisien. Vous avez dans le journal suivant, François Guémard secoué. Vous avez dans Libération, Guémard squat Bercy. Guémard dans la tourmente à la une du Figaro. Feu au plancher, avec une photo très drôle de 20 minutes. Feu au plancher. Et c'est vrai qu'on va finir par avoir de la peine pour lui. Heureusement qu'il neige à Paris. Il va bientôt pouvoir se construire un igloo et hiberner à l'intérieur en attendant le printemps. Ah. L'effet boule de neige, il connaît en tout cas, c'est sûr. Oui. Enfin, plus ça va, plus la sauce monte. Ça sent le 9e enfant. Mais en attendant, sur notre prochaine feuille d'impôt, on sait ce qu'on va marquer. Moi, je retire 150 euros pour l'appartement, en tout cas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Gérard! Bah, il est passé. Il joue à BHL. Qu'est-ce que vous faites, Gérard? Non, excusez-moi, je reviens chez vous. J'étais sur une chaîne concurrente. Je vais vous dire, j'étais avec des gens qui étaient encore plus focus qu'à l'évêque et Gueluc réunis. Je préfère vraiment être chez vous. Hein. Je suis mieux ici sur France.
Pourquoi cette tenue? Avec cette tenue-là c'est une émission, on m'a demandé d'y participer. Une émission dans un camp militaire, je la connaissais pas. Ah oui, j'avais pas compris. Ouais. Ah oui, c'était première compagnie. Ça l'a vachement musclé, en tout cas. Et pour l'instant, il le cherche partout. Et il était le septième candidat. Candidat, il se dit, mais où est passé le septième candidat de la... Non. C'est... Enfin bon, voilà, on va. Non. Le septième de la première. C'est vachement mieux comme ça. Vous voyez, ça me manquait des conneries comme ça là-bas. Gérard, vous avez entendu Perry tenter de défendre le ministre de l'économie? J'ai écouté l'argument de la défense. Qu'est-ce que je suis bien de nouveau ici? J'ai écouté l'argument de la défense et je vais vous répondre. Oui. Nous n'attaquons nullement les propriétaires en général, pas plus que ceux qui ont des grands appartements. Nous contestons un ministre de la République. Ça, je suis d'accord. Qui est prêt à dépenser des sommes folles des contribuables qui sont là, mesdames, messieurs? Je suis d'accord. Qui est prêt à dépenser des sommes folles? C'est bien ici. Hein. Je suis d'accord. Bravo, Gérard. Et, permettez-moi d'ajouter que être le fils d'un cordonnier marchand de chaussures n'empêche chaussures, pas... On dit des chaussures. Sur la chaîne concurrence, nous disons chaussures. D'accord. N'empêche pas... Et Marlène, elle chose du combien? N'empêche pas... Gérard a de trop petits pieds pour Marlène. Ça n'empêche absolument pas d'être devenu soi-même un grand bourgeois. Votre père peut être très pauvre et vous très riche. Il y a énormément de grands bourgeois aujourd'hui qui sont fils de Jean Monnet. Il n'y a aucune honte à avoir un père cordonnier et devenir propriétaire. C'est le problème, pas d'être propriétaire. Un conseil qu'on pourrait lui donner, si on doit conclure, c'est qu'il devrait apprendre ce proverbe arabe qui dit « le fil du mensonge est court ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir parce que très vite... on est chopé. Et il y a un autre proverbe arabe qui dit, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais l'appartement dont il est propriétaire se trouve au rez-de-chaussée. Et il y a un proverbe arabe qui dit, le fils du cordonnier est au rez-de-chaussée. Et le plus bas est le chaussée. Ah non, mais là, ça en est trop. Là, ouais, vraiment, là, mais moi aussi. Mais moi aussi, je pars avec toi, c'est pas possible. On passe à la météo, la neige à Paris, avec cette photo publiée par François. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Le Champ de Mars, on reconnaît le Champ de Mars derrière la Tour Eiffel. Et au milieu du Champ de Mars, un promeneur avec un chapeau. Le fameux promeneur du Champ de Mars. Ça doit être Mitterrand qui est revenu pour aller vérifier combien mesurait l'appartement dans lequel était logé Mazarine. C'est incroyable! Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette photo? Derrière, on distingue pas bien, mais les deux personnes qu'on voit, là, c'est Sarah Marshall et le fils de Richard Anthony, qui récupèrent un peu de neige. Alors, dans le Figaro, il y a tout un article aussi sur les intempéries et sur la neige dans Paris. Paris paralysé, alors l'aéroport, Roissy paralysé, la circulation, les bouchons. Mais un petit événement à la fin de l'article, hein, c'est dans la page météo, regardez. À la fin de cet article, Henri Cuc, ministre délégué aux relations avec le Parlement, et Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, ont glissé dans la cour de l'Élysée à l'issue du Conseil des ministres. Ça ne s'invente pas. On n'a pas, hélas, les images. Mais quand même, il y a deux ministres qui sont tombés et il n'y a rien à voir avec l'affaire Guémard. C'est quand même dingue. Hein. Ils sont tombés l'un sur l'autre. Est-ce qu'on sait si c'est Darcos qui est tombé sur le Cuc ou le contraire? On ne sait pas. Une autre photo, celle du prince Charles et de sa maman, la reine d'Angleterre, qui n'assistera pas à la cérémonie du mariage de son fils, la reine Elisabeth II, file à l'anglaise, titre le journal gratuit 20 minutes. En même temps, écoutez, quand on voit le couple, le prince Charles et Camilla, regardez-les, on se dit que, franchement, ils ont bien fait de ne pas attendre plus longtemps. Autant qu'ils se marient avant la prochaine canicule, c'est plus prudent. Franchement... D'ailleurs, j'ai quelques infos. Il paraît que leur liste de mariage a été déposée aux galeries Al-Fayed et que le prince Harry, qui est interdit de costume nazi maintenant, compte aller au bal du mariage déguisé en Lady Diana. Une photo de Michael Jackson maintenant, puisque son procès a repris hier après une interruption de... Ah oui, ça fait peur. Le procès a été arrêté à cause de l'état de santé de Michael Jackson. Ça a repris juste hier. Il avait une mauvaise grippe. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est un pédiatre qui a fourni le certificat médical et que d'après des experts, ce ne sont pas ses empreintes qu'on a retrouvées sur les suppositoires. Oh non, là, c'est moche.
Une photo d'Hippocampe maintenant dans le Parisien. Eh oui, c'est curieux. On dirait hein. Michael Jackson. 35 000 hippocampes morts ont été saisis par les douanes de l'aéroport de Roissy. Les hippocampes n'avaient pas leurs papiers, titre 20 minutes, qui en genre fait pas mal dans les titres rigolos. Mais attention, on nous dit qu'ils étaient morts, ces hippocampes. Mais ils étaient peut-être vivants quand ils sont arrivés à Roissy. C'est la faute de personne, ils ont raté la passerelle. On termine par le football, avec cette brillante victoire de Lyon hier soir, 3-0 à Brême, à l'extérieur, hein, au match aller des huitièmes finales de la Ligue des Champions. Alors, 3-0 à l'aller, on se dit que pour le match retour, il ne va pas y avoir de suspense. Mais si, parce que pour créer un suspense pour le match retour, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Paul Le Guen, compte recruter 8 joueurs du Paris Saint-Germain. Si vous habitez ou vivez à Paris, vous avez forcément croisé au détour d'une rue de Saint-Germain-des-Prés Ali Akbar, le vendeur de journaux à la criée le plus célèbre de la capitale. Depuis 35 ans, il vend le journal Le Monde et le journal du Dimanche en criant à tue-tête des unes fantaisistes pour attirer les clients et pour qu'ils achètent ses journaux. On peut l'entendre crier « Rafara a fait voter la retraite à 35 ans !»« Loana a épousé Ben Laden !» Il a aussi tenté récemment « Le PSG a gagné un match !» Mais la personne n'a marché, personne ne l'a cru. L'histoire d'Ali Akbar, eh bien vous allez la retrouver dans un livre qui sort aujourd'hui chez Jean-Claude Gavzevitch, éditeur. Ça s'appelle « Je fais rire le monde, mais le monde me fait pleurer » parce que derrière le vendeur de journaux à la criée, il y a toute une histoire que va donc nous raconter Ali Akbar. Bonjour, bienvenue. Ça me fait drôle de vous voir ici parce que c'est vrai que d'habitude, on vous voit plutôt à Saint-Germain avec Le Monde en main, le JDD en train de dire... En train d'inventer des unes. Sur l'affaire Guémard, vous avez trouvé des choses? Oh oui, Guémard quitte son appartement contre une chambre de bonne. Des trucs. et les gens achètent. Et puis voilà, et ça attire les gens et puis ils achètent. Mais tout d'abord, je vous remercie de pouvoir m'inviter ici dans cette émission. Je suis tellement ravi et je remercie le public et je vous remercie à vous-même. Ben, écoutez, c'est puis, normal. C'était quelque chose de merveilleux pour moi. Je fais rire le monde, mais le monde me fait pleurer, Ali Akbar. On va raconter un peu votre histoire. Avant ça, je voudrais vous montrer une autre méthode de vente que la vôtre. C'est Dan Bolander qui a tenté lui aussi de vendre des journaux à sa façon. Il a testé annoncer des fausses nouvelles. Regardez cette caméra cachée signée Frédéric Gilbert. Dan Bolander, j'ai testé annoncer de fausses nouvelles à la criée. Fraîches, elles sont fraîches, mes nouvelles. Qui veut de nouvelles fraîches? Moi. Achetez le journal, dernière édition. Laurie devient la conseillère en communication de Jean-Pierre Raffarin. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle annoncée ce matin? Eh bien, c'est super. Il faut bien qu'il y ait des jeunes aussi. Il y a un peu jeune quand même pour être conseillère quand même. Hein. Mais il n'a pas de chance. Hein. Bah, tout le monde fait des erreurs. Laurie! Dites-moi. Moi, j'adore! Dernière édition, le scandale Laurie logée dans un appartement de 600 mètres carrés. Regardez la dernière édition du journal. Et 600 mètres carrés pour une. Mais oui, pour Laurie. Et voilà, oui. Pour Laurie, parce que c'est une chanteuse. Mais oui. Parce qu'elle a beaucoup de pognon. Mais oui. Et c'est toujours comme ça. Il y en a qui n'arrivent pas à se loger, puis elle, bon, bah, elle se loge, elle a de la chance, quoi. Mais oui. Ouais. Elle est née sur une bonne étoile. Tant mieux pour elle, hein. Et tant pis pour nous, parce que si c'est nous qui payons... Vous attendiez à cette nouvelle ou pas? Demain matin, j'apprendrai qu'on a retrouvé le Tintin de Milou et qu'on l'a logé dans 600 mètres carrés. Ça ne me surprendrait pas non plus, vous savez, de nos jours. Hein. Elle va loger son orchestre aussi, c'est ça? Ah, c'est peut-être pour ça, oui. Bah oui, un orchestre, ils sont nombreux. Ah oui, je comprends bien. On nous informe vraiment sur rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Dernière édition, Jean-Pierre Raffarin démissionne, messieurs, dames. Ah, oh, bonne nouvelle. Ben il a raison de démissionner, de voir que son gouvernement tombe en ruine. Est-ce que vous attendiez à cette démission? Non, pas du tout. Non, pas... Ah ben pour moi, ça va pas changer ma vie, hein, de toute façon. Bah oui, c'est quand même étrange, vous voyez. Ah oui, exactement. C'est un peu étrange. Éclaboussé par le scandale de Laurie, Jean-Pierre Raffarin démissionne. Bah écoutez, s'il est éclaboussé, il a cassé congé. Messieurs, dames, achetez le journal. Nommé par Jacques Chirac, Laurie devient Premier ministre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Si elle fait du bon boulot, pourquoi pas? Moi, je suis d'accord. Et elle est belle, en plus, elle est mignonne, pourquoi pas? Ouais, mais il n'y a pas de raison. On pourrait avoir Jenny Hallyday aussi, elle a peut-être plus d'expérience. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut être chanteuse et être très bon en politique. Faut être polyvalent, maintenant. Alors, il faut quand même dire, vous êtes né au Pakistan, que vous avez quitté le Pakistan à quel âge?
Oh, j'avais à peine 18 ans, oui. Et Paris, alors, vous êtes arrivé en quelle année à Paris? Je suis arrivé à la fin des années 72 à Rouen. À Rouen. Et voilà, mon but, c'était de vraiment installer dans un pays anglophone plutôt, parce que comme je ne connaissais pas un mot de français quand j'ai quitté le bateau... Ça vous a joué de mauvais tours de ne pas connaître le français. Il y a une anecdote extrêmement drôle. À un moment donné, vous vendez Charlie Hebdo du professeur Choron, qui est mort récemment, et vous avez peur, évidemment, d'être arrêté parfois par la police. Et Choron vous dit, pas de problème, je te donne une carte. Et chaque fois qu'un flic t'emmerdera, tu montreras la carte. Et sur la carte, le jour où il le montre à un flic, il y avait marqué « Carte officielle des cons ». Caroline, on sait qu'il y a beaucoup de tristesse et de détresse partout dans le monde, mais chaque fois qu'on peut lire le parcours d'une personne en particulier, toutes les difficultés, vous les avez eues. Il y a quelque chose quand même de très beau, c'est que dans votre pays, on a une promise dès son plus jeune âge. Et ce qui est très joli dans votre cas, c'est que vous êtes tombé réellement et éperdument amoureux de la personne et de la femme que vos parents avaient choisie pour vous. Et je crois que ça fait plus de 30 ans que ça dure. Donc, vous avez 5 fils. Voilà, 5 fils. Je vous souhaite que ce soit un énorme best-seller. Je sais que ça n'effacera pas toutes les dures choses que vous avez vécues, mais ça apportera peut-être la douceur que vous avez envie d'amener à vos enfants. 5 enfants, mais alors... La taille de l'appartement. 5 enfants, on a un appartement pour vous, il est libre. J'imagine que le jour où vous avez annoncé Le Pen au deuxième tour, j'imagine qu'il y a des gens qui ne vous ont pas cru, là. Mais je me souviens, ce jour-là, j'en ai vendu plein de journaux parce que les gens, ils étaient étonnés, ils étaient choqués. J'ai dit, Le Pen, qui continue à monter à ce point-là. Et puis, moi, ce jour-là, vraiment, j'ai dit, il faut que Le Pen continue à monter parce que le journal marche grâce à lui. Et moi, je voulais bien qu'il continue à monter. Bon, ensuite, s'ils peuvent descendre, zéro. Je fais rire le monde, mais le monde me fait pleurer. Perry, vous l'avez lu? Oui, j'ai trouvé ça super. Il y a un truc qui m'a un peu surpris et j'ai trouvé ça bizarre. Vous dites que vous avez envoyé de l'argent depuis très longtemps à vos frères qui vivent encore dans votre pays natal et qu'ils n'ont jamais été reconnaissants, qu'ils ne vous ont jamais dit merci, qu'ils trouvaient que c'était normal. Et vous dites que le jour où ils vont décéder, vous n'irez pas à leur enterrement, vous vous en fichez. Et je me suis dit, à ce point, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, vous savez, je suis né dans une famille terrible. Quand j'étais gamin, vous savez, j'ai dernier centime que j'ai gagné, j'ai donné à ma mère pour élever mes 6 frères et 2 sœurs. J'ai tout fait pour envoyer. J'ai déjà expliqué, dormi dans une cave avec les souris, même sur le pont Saint-Michel, et je mangeais dans les restos où j'allais. Des fois même, vous savez, les étudiants qui laissaient le plateau sur la table, j'ai ramassé leur plateau pour économiser 2 francs 20 centimes. À l'époque, c'était en 73, c'était 2 francs 20 centimes le repas. Plateau, ouais. Et même j'ai économisé 2 francs 20 centimes pour envoyer vraiment à eux, à ma mère. Et aujourd'hui, oui, malheureusement, il n'y en a pas un seul parmi ses frères et sœurs. En sol, ils ont vite dit honnête et reconnaissant. Même pas vis-à-vis de leurs propres parents, d'ailleurs. Moi, je suis leur frère. Et c'est un livre que devraient lire les administratifs, les responsables politiques, parce que, au-delà de votre histoire personnelle, il nous montre bien que chaque parcours de chaque personne est quelque chose d'unique et qu'on ne peut pas parler des sans-papiers ou des immigrés ou des gens. Il y a à chaque fois une personne qui mène un combat personnel, qui veut vivre dans un pays de liberté et qui se bat pour y arriver le plus honnêtement du monde, comme vous l'avez fait. Et voilà, ça... Je veux juste ajouter quelque chose. Ça se lit comme un roman. C'est d'un style enlevé, aéré. Tu ne peux pas t'en décrocher. C'est surtout ça que je voudrais dire. À l'évêque. Oui, je voudrais poser une question. Avec ce parcours, on voit jalonné de traîtrises, de mensonges, de nuits dans la rue, de frères que vous traitez vous-même, comme vous dites, ils sont pires que des chiens. Un logement HLM que vous obtenez après 21 ans d'attente. Il faut quand même, là, c'est de la patience. À un moment donné, vous dites même Jean Guémard. Voilà, c'est très drôle. Non. Bravo, Christian. Non. Et comment vous faites pour garder le sens de l'humour après tout ça? Vous savez, je suis resté toujours quelqu'un de positif, et avec une certaine spiritualité, et puis en croyant quand même en Dieu. Je ne sais pas, quand même quelqu'un d'athée, parce que parmi beaucoup d'amis chez qui j'étais hébergé, c'est des Français, vraiment ils étaient athées, c'est eux qui étaient plus humains, encore plus, beaucoup plus humains que les gens qui croyaient en Dieu, qui pratiquaient l'islam. C'est ça qui, je ne comprenais pas, c'est ça qui m'a fait vraiment changer un peu
dans ma tête, je commençais à manger du porc, je commençais à boire du bon vin rouge. Bon, peut-être que j'ai pas encore goûté le bon fromage comme Aubert, comme Guémard, mais bon, qui a été livré par Chirac ou... il lit bien les journaux, hein, parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'histoire des fromages livrés chez les Guémard par la fromagerie de Paris, aux frais du contribuable, en plus, vous avez raison. Il a du bon fromage chez lui, en plus. Écoutez, je vais faire comme vous, finalement. Le prix Goncourt de l'année, le prix Goncourt, Ali Akbar, chez Jean-Claude Gavrevitch, éditeur. Merci à vous. En ce moment, au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, se joue une nouvelle pièce, Love, Valor, Compassion, une pièce de théâtre de Terence McNally, l'auteur du célèbre Full Monty, avec entre autres Roger Miremont, Jean-Baptiste Martin, Jean-Pierre Calfon, Nicolas Vitello, ex-Watford, pour les plus jeunes qui nous regardent. Bref, ils sont des tas de comédiens sur scène. On va en recevoir deux dans un instant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette pièce qui a connu un grand succès dans de nombreux pays. L'histoire de Love, Valor, Compassion, c'est celle de 8 amis gays et tristes à la fois, qui passent leur week-end dans une maison du Luberon. Pour tester ensemble cette pièce, on va accueillir tout de suite Roger Miremont et Jean-Baptiste Martin. Bonjour, bienvenue. Merci. Love, Valor, Compassion au théâtre de la Porte Saint-Martin. Il faut dire que la pièce a été adaptée par Jean Dalric et Jacques Collard, mise en scène par Jean-Pierre Dravel et Olivier Massé. Avant que vous en parliez, regardons tout de suite la bande-annonce, parce qu'il y a une bande-annonce la de la photo, pièce. La photo, c'est pas nous, hein, c'est sur pas la fiche, vous. Non. Allez là-bas. Et hop. Où sont les hommes? J'ai pas beaucoup de volonté dans ce genre de situation. Est-ce qu'il est beau? Le mot juste serait sexy, Bobby. Une pièce de Terence McNally au théâtre de la Porte Saint-Martin. Love, Valor, Compassion. Voilà, justement, c'est une pièce qui fait beaucoup parler parce qu'il y a des hommes nus, pas tout le long de la pièce quand même, hein, il faut le dire, parce qu'on a l'impression que tout le monde est nu tout le long de la pièce. Non, si non, lit, c'est pas le cas. Si on lit les journaux, c'est ça. Hein, on non, il n'y a que lui qui est nu. Il ah, faut quand même le dire, non, non. On a l'impression qu'on retient une bonne partie quand même. Une bonne partie. Oui, enfin, par rapport aux pièces que oh, j'ai moi j'aurais préféré davantage, attends. Écoutez, Jean-Baptiste Martin en fait l'expérience, parce que qu'est-ce que vous en pensez alors de ces journaux qui vous ont publié en photo, je ne sais pas si c'est Ici Paris ou France Dimanche. Ah, fallait pas les citer, ça leur les fait de deux, la pub. Les deux, non, les mais deux. Il y en a qui ont eu la correction de mettre une feuille de vigne ou un sens interdit dans un autre hebdomadaire. Mais Ici Paris, voilà, merci de on m'avoir montré. On a montré Clos, le... oui, hein. Merci on beaucoup. On peut montrer le bas aussi, mais vraiment là, on voit tout. Hein. Ouais, on voit tout. Ah, ils ont montré voilà. La photo, on voit tout. On voit non, tout. Mais il n'a pas à rougir. Hein. Non, c'est les lecteurs d'Ici Paris, ça fait tellement d'années qu'ils n'en ont pas vu une belle. Oui, qu'on peut leur j'espère montrer que ça donne envie de voir la pièce. Non, mais ta mère peut être fière de toi. Et puis Malraux, aurait dit là où il est, aurait dit belle pièce, mon général. Merci. Merci. Écoutez, votre maman, Danielle Evenou, qu'on avait avec nous à la radio cet après-midi, très très fière. Elle dit non mais moi ça me gêne pas. Et le papa, alors il n'a pas vu la pièce. Il n'a pas encore vu la pièce, il va venir bientôt. Je ne sais pas s'il est tombé sur cette presse. Maintenant je voudrais juste dire que j'ai refusé de donner des interviews à Ici Paris parce qu'ils ont quand même, ils font de l'argent en annonçant la mort de mon père trois fois par an. Donc oui, il était vrai. Hors de question que je leur donne de quoi se nourrir. On embrasse Jacques Martin si on regarde en tout cas ce soir. Roger, vous voulez pas quoi? Non, non. Enfin, enfin non. Non, je suis juste torse nu, on va dire. Racontez quand même un peu le pitch de la pièce avant que Caroline nous donne son avis et Claude. Alors, le pitch de la pièce, c'est une maison dans le Luberon, comme on veut dire, où se réunissent le temps de trois week-ends, huit amis, pour préparer un gala de bienfaisance contre le sida. Le gala, on voit un extrait à la fin où il danse en tutu, etc. Et c'est la vie entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, voilà, qui raconte cette chronique. Caroline. C'est vrai que c'est très drôle et à la fois très émouvant. Alors c'est vrai que le décor est fait de telle sorte qu'il y a plusieurs scènes qui se passent en même temps. La lumière se concentre à un moment donné sur certains interprètes plus que sur d'autres. Et donc on suit les trois week-ends que vont passer ces huit hommes.
Vous jouez le rôle d'un aveugle. Et vous êtes absolument fabuleux dans ce rôle. Vous, j'ai cru que vous étiez, que vous aviez fait une formation de danseur en plus. Tellement vous dansez bien. Alors j'ai vu que vous étiez troisième dan de karaté. C'est ce qui vous donne ce corps de, plein de muscles, de force, de souplesse, de... Enfin, oula, bien. Oula, on va vous laisser. Il y a une ouverture là. Mon anniversaire, c'est le 20 juin. Voilà. Je peux avoir une représentation spéciale. On viendra. Claude. Alors, moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Le texte est bon, il y a des moments très, très drôles. Il y a d'autres passages qui sont très émouvants, qui sont très bien. J'ai trouvé, je vous le dis quand même, que c'est... Je me demande à quelle époque cette pièce a été écrite. 96. Elle est très assombrie par le fait que deux des personnages qu'on a là sous les yeux et qu'on aime beaucoup sont des personnages aimables et qu'on peut aimer, ils sont en train de mourir du sida. Et si tu veux, c'est un petit peu forcé la note noire du sida, surtout à notre époque, avec la trithérapie. Je ne dis pas du tout qu'il a eu tort de le faire, mais si tu veux, cette menace de la mort du sida, pour nous, ça remonte à il y a 15 ans, 20 ans. Je peux intervenir. Pas du tout, vous trompez. Vous savez que la trithérapie, évidemment, produit des anticorps pour le virus. Enfin, mais le virus mute. Et le virus qui a muté maintenant est beaucoup plus grave qu'avant. Pour nous, quand même, on a l'impression, on a à tort peut-être, que le danger s'est éloigné et que ça, c'est typique d'une certaine époque où autour de nous, tout le monde mourait du sida. Moi, ça m'a un tout petit peu... Ne répands pas des faux bruits sur le sida. Le sida est une menace absolument... Non, tu viens de dire le contraire. Je suis désolé. Il y a des millions de personnes qui nous regardent. Ne dis pas ça. Il y a une vague actuellement de morts chez les gens. Ne dis pas ça. Je t'assure, même avec des nuances, ne dis pas ça. Le sida est une saloperie absolument constante. Il y a chez les gays tout un mouvement qui vise à ne pas se protéger actuellement, qui cause des catastrophes absolue, donc ne dis pas que c'est le passé. C'est vrai. Non, mais franchement, c'est... Mais je le sais. Christophe. Moi, j'ai vu que la pièce, quand même, il a fallu 10 ans pour la faire accepter par un directeur de théâtre. Donc les mentalités évoluent, mais il ne faut pas être pressé, quand même. Moi, je ne pourrais pas jouer à poil. Non. Mais alors, vraiment, déjà, au début, jouer habillé, j'ai eu du mal. Et... je ne sais pas, j'ai l'impression que tout ce qui serait dit après la pièce, quelqu'un qui vient de voir, après tout... tout ce qui serait dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Tout ce qui serait dit. Oh, vous avez l'esprit mal placé. Donc tout ce qui pourrait être dit. Oui, tout ce qui pourrait être dit. Voilà, c'est bravo, mais bravo pourquoi, tu vois. Et puis même les gens que tu croises après dans la rue. L'autre prétentieux, il sous-entend que bon, on pourrait le féliciter pour autre chose. Oui, voilà. Ça va. Bah tu vois, t'as compris mon texte. Alors... moi, ça me... Une question à chacun. Roger Miremont, vous avez déjà fait beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma. Moi, à chaque fois que je vous vois, je vous le dis, c'est Gaston Lagaffe. Pour moi, vous resterez à jamais Gaston Lagaffe. Vous avez vu le film. Depuis, il y a eu beaucoup de télévision, beaucoup de théâtre. Ouais. On vous voit moins au cinéma. Il y a un film, je crois, qui va sortir bientôt. Oui, j'ai tourné Les Frères Larieux, Peindre ou faire l'amour. Enfin, j'ai participé au film. Et quant à vous, Jean-Baptiste Martin, je dois dire, alors là, je suis épaté par... on oublie ce qu'on a vu. Oui, par tout ce que vous savez faire. Bah, alors là, je n'en reviens pas. En sport, faites basketball, équitation, saut d'obstacle, football, natation, surf de mer, surf des neiges, tennis, école du cirque, acrobate, jongleur, musique et danse, accordéon, guimbarde, contrebasse, guitare, très bon niveau en guitare, piano, très bon niveau, danse et claquettes. Alors, un petit tour de claquettes nues. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec les pieds? Qu'est-ce que vous foutez à Paris avec un CV pareil? C'est Broadway qui vous attend, là. Ben, merci. Non, mais sérieusement, c'est rare. Roger Miremont, c'est rare de voir un CV pareil. Ben, je sais pas, oui. Mais j'ai fait comme lui, alors je peux pas dire le contraire. Vous avez fait tout ça, vous aussi? Presque. Allez, Jean-Baptiste Martin, Roger Miremont, restez encore avec nous un instant, parce que Jérôme Bonaldi va lui aussi vous montrer qu'il est un homme tout talent. Jérôme Bonaldi, que voici. Je voudrais faire un petit cours. Alors attention, pour les jeunes qui nous regardent, il y a des jeunes qui nous regardent ici. Mais bien sûr. Petit cours d'antiquité et d'histoire contemporaine. Les jeunes qui nous regardent, attention, qu'est-ce que c'est que ça? Un 45 tours. Vous êtes d'une époque, mais il y a beaucoup de gens un simple. Qui n'en ont jamais vu. On a mal répondu. On ne sait pas ce que c'est. Alors vas-y, alors donc, c'est quoi? Il y a dans les greniers de France et de Navarre
des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de 45 tours qu'on ne peut plus écouter et qu'on regrette. Oh oui, je me te rappelle, tu te rappelles? Oh oui, c'était bien. Comment qu'on fait? Eh bien justement, voilà un produit qui se vend de plus en plus. Avec les tuyaux. C'est simple, c'est beau, c'est un des produits comme ça. Vous le branchez sur le pick-up, le tourne-disque. Vous l'empruntez à un voisin. Le tourne-disque, tu veux dire. Voilà, de l'autre côté, la prise USB dans l'ordinateur, ça y est, enfin, ça fait des CD. Il faut retrouver le vieux tourne-disque. Et le USB. Vous l'empruntez. Non mais attendez, c'est idiot ce que vous dites là. Parce que moi je pensais que vous alliez me... Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est-à-dire que si on a le tourne-disque et le 45 tours, on l'écoute directement sur le tourne-disque. Non, parce que vous pouvez le transférer, j'imagine, en MP3 ou en ZAC comme ça. Vous le mettez sur le baladeur. Avec les griffes et les gratouilles d'origine. Voilà. Jérôme, est-ce que tu peux me dire où tu trouves le vieux tourne-disque que j'avais dans partout. Mon enfance? Partout. Tous les grands magasins de disques. Tous les DJ continuent à travailler avec... avec des avec la manivelle. Bien sûr. Quand même. Ah, oui. Ah, c'est vrai. Dernier truc. Alors, autre petit cours de, d'histoire contemporaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, une diapo. Exactement, une diapositive. Vous vous rappelez Oncle René, qui faisait les soirées diapo? Oncle Paul, moi c'est. Oncle Paul, l'horreur. Il fallait fermer les rideaux, sortir le projecteur, le mettre sur un escabeau branlant, m'en prendre un drap, le punaiser sur le mur, et on avait la soirée diapo. On fait plus ça, c'est terminé. Mais c'est dommage, parce qu'il y a dans les tiroirs, là encore, dans les placards, des dizaines de milliers de diapos qu'on aimerait bien revoir. Et bien voilà le genre de produit qui se vend de plus en plus. C'est nerveux. C'est ça. Ça, vous prenez les diapos que vous foutiez là-dedans, d'accord? Vous les mettez comme ça là-dedans, hop, ça se branche sur l'ordinateur et c'est digitalisé. C'est un scanner qui fait les diapos, qui ne fait que ça, mais qui les fait bien, du coup. Ça coûte cher, ça? Ça coûte de moins en moins cher, c'est de plus en plus précis. C'est une belle, c'est une belle réponse. Mais ça m'embête de vous dire, ça va de 150 euros, c'est le moins cher, c'est celui-là, et avec une très bonne définition, 8000 DPI, je vous le dis, parce qu'il y a même... 8000 DPI, allez-vous alors. Ça fait rêver. Et il n'y a pas que ça, ça... On en a aussi dans les placards, les négatives couleurs, qu'on va dire, jamais on va le faire, ça va me coûter une fortune, et puis peut-être qu'elle ne sera pas bonne. Là-dedans, je le foutis là-dedans, hop, je le foutis là-dedans, hop, et je le visionne 10 secondes après sur l'ordinateur. Génial. Mais ça, c'est parce que ça transforme, bravo. C'est un négatif, ça fait le contraire. Jérôme, je vous prends les deux appareils, vous prenez la carte. Pas de problème, vous me donnez le code? Voilà. Voilà. Jérôme. Allez, Bonaldi, je suis en train de regarder l'horloge, c'est l'heure d'y aller. Bon, on y va, merci. Bravo. Au revoir, Jérôme. Au théâtre de la Porte-Saint-Martin, ça s'appelle Love, Valor, Compassion. Effectivement, c'est une pièce de Terence McNally adaptée par Jean Dalric et Jacques Collard. On va pas reciter les 8 comédiens, on en avait 2 sur ce plateau ce soir, Roger Mirmont et Jean-Baptiste Martin. Merci à tous les deux. Merci. Nous allons maintenant accueillir l'actrice Natacha Amal, la femme de loi de TF1, ainsi que son mari, l'écrivain Claude Rapp. Le 26 décembre dernier, ils étaient en Thaïlande et ils ont vécu le drame, la catastrophe, on la connaît, du tsunami. Miraculés de cette catastrophe, ils ont décidé d'écrire ce livre, Tsunami, 26 décembre 2004, 9h58. Ça vient de sortir le 17 février dernier aux éditions du Rocher. Ils racontent, on va dire de manière romancée, l'histoire d'un couple brisé par cette catastrophe du tsunami. Pour parler de ce livre, accueillons donc tout de suite Natacha Amal et Claude Rapp. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau aux éditions du Rocher. Tsunami, 26 décembre 2004, 9h58. Vous étiez vraiment sur place et vous avez eu envie d'écrire ce que vous avez vu, mais pas façon, on va dire, pas comme un journaliste, pas comme un témoin. La fille sous forme de fiction. Alors d'abord, le point de départ est très simple. Dans la confusion émotionnelle dans laquelle on peut se trouver confronté à un tel événement, je pense que la première motivation, en ce qui me concerne en tout cas, a été d'exorciser en écrivant des notes. Ce que je ressentais. Et Claude a commencé à lire ça et il m'a dit, écoute, il faut en faire un livre. J'y étais un petit peu à reculons au départ parce que ça me faisait
vraiment peur pour un milliard de raisons. Et puis, il nous est apparu évident que, puisque nous nous sentions impuissants à ce moment-là, face à l'ampleur du désastre, face au désarroi environnant, on a décidé de donner l'entièreté de nos droits d'auteur à une association. Pêcheurs de Thaïlande, on va en parler. Mais moi, je reviens un peu sur la genèse, l'histoire du bouquin et sur le pourquoi plus une fiction qu'un reportage, en quelque sorte. Vous qui êtes journaliste aussi. Alors, justement, mais le choc, le traumatisme du tsunami, pour certaines personnes, ils l'ont vécu en quelques secondes, parce qu'ils ont perdu des êtres chers, ou ils ont été blessés. Et tout ça nous a amené à peut-être un petit peu plus rentrer dans un sentiment de culpabilité. On s'est dit, mais comment se fait-il que nous soyons vivants? C'est pas juste, quelque part. Je sais, c'est un peu bizarre comme sentiment, mais enfin, voilà. Et on avait rencontré un couple. Et eux sont partis aussi en bateau ce jour-là, et la femme est revenue seule. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas témoigner sur notre bonheur, qu'on devait témoigner sur le désastre et sur le traumatisme que ça représentait. Caroline. Alors, j'ai lu votre livre. J'ai pas compris, je pense pas être impudique ni irrespectueuse, j'ai pas compris pourquoi vous trouviez que ça manquait de pudeur. Vous avez vécu, effectivement, ces événements atroces, et tant mieux, vous vous en êtes sortis. Ça me paraissait pas impudique de dire la vérité. Je veux dire, on voit, moi j'ai été élevée par un survivant d'un camp de concentration, il raconte son histoire, et comme on a vu des tas de films ou des tas de témoignages, ça n'a rien d'impudique ou de honteux d'avoir eu, alors est-ce que c'est le destin, peu importe, vous êtes là, tant mieux, c'est magnifique. Mais je n'ai pas compris où vous placiez cette impudeur et cet irrespect. J'avoue qu'on peut avoir cette perception-là. Moi aussi, je suis le fils d'un rescapé des camps. Mon père ne racontait pas beaucoup l'histoire des camps. Il était très pudique par rapport à ça. Disons que j'ai peut-être eu une réaction similaire malgré tout. C'est que quand on en a discuté avec Natacha, je me suis dit on ne peut pas, par rapport à ce nombre de morts, à ces visages. Il faut savoir quand même qu'avant d'écrire le livre, on a rencontré des gens dans Phuket Town qui étaient hagards. On a vu un homme qui disait « Je cherche ma femme, vous ne l'avez pas vue ». Enfin, c'était... Et on s'est dit on ne peut pas témoigner de notre bonheur par rapport à ça. On avait presque peur de dire « Nous, ça va ». Perry, puis Claude. J'ai eu un peu le même sentiment que Caroline. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avoir... Vous êtes remis dans le rôle de ce couple que vous avez rencontré là-bas, parce que c'est ça l'histoire. Vous vous êtes mis dans la peau de ce monsieur qui aujourd'hui est décédé. Pourquoi vous n'avez pas simplement raconté l'histoire de ce couple sans aller vous et tout d'un coup nous raconter des choses très personnelles? Il y avait une jeune femme très sexy au bord d'une piscine et vous l'avez trouvé sympa et je sais pas quoi. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment gênée. Oui. Alors, je suis d'accord. C'est vrai que il a fallu. J'ai envie de dire aussi un truc. J'ai envie de vous dire que franchement, sincèrement, non, mais parce que voilà. Non, pas du tout. Mais j'ai envie de dire un truc quand même parce que bon, d'accord, c'est gna 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 gna. Bon, ok. Alors, sur le moment, très sincèrement, les émotions qui vous assaillent, les pensées qui vous assaillent, tout est très confus. C'est le bordel dans la tête, et c'est ce qu'on a ressenti même des semaines après. Vous êtes là, vous êtes en spectateur. En spectateur, je dirais presque décérébré, parce que vous n'arrivez plus à coordonner vos pensées. Moi, ce que j'ai voulu retranscrire dans ce livre, par le biais d'une histoire d'amour, j'ai influencé mon mari, je ne sais pas si j'ai eu raison, j'ai voulu faire passer le cheminement. Un cheminement qui n'est peut-être pas cohérent, qui n'est peut-être pas rationnel, de quelqu'un qui simplement est remis en question de A à Z et qui se dit « Mais si j'avais été à la place de machin à qui c'est arrivé, qu'est-ce que j'aurais ressenti ?» Et ça, je vous jure, je me le suis posé tous les jours. Je me suis posé cette question tous les jours. Donc voilà. Mais je comprends, mais ça fait quelques pages dans le livre. J'ai l'impression que l'histoire entière est enrobée dans des choses. Je veux dire, quand vous racontez sur une demi-page que vous buvez une gorgée de champagne frais sur une plage brûlante, je veux dire, là, on est nulle part. Mais c'est ça l'absurdité. Mais c'est ça l'absurdité. Sans doute, sans doute. Mais je veux dire, en même temps, on est un petit peu, on en a parlé évidemment avant l'émission, on est un petit peu coincé aussi, parce que ce que vous faites en offrant très généreusement vos droits d'auteur aux pêcheurs de Thaïlande nous empêche aussi de dire quelque chose.
Hein, parce qu'on va nous dire, mais quoi, vous voulez faire crever les pêcheurs de Zaïmland? Non, évidemment que non. Achetez le livre pour soutenir votre geste généreux, mais en même temps, on dit ce qu'on a ressenti. C'est vrai qu'on a fait une vraie identification dans la mesure où Natacha a vraiment cru qu'elle allait me perdre quelques secondes avant que je remonte sur le bateau. Et moi, j'ai vraiment cru perdre Natacha. Bien sûr, mais en même temps, vous dites c'est un roman, c'est inventé, c'est pas nous. Et en même temps, l'éditeur écrit en quatrième de couverture un témoignage capital et indispensable, l'un des premiers consacrés à cette catastrophe naturelle d'une ampleur rarement atteinte. C'est pas mais un témoignage. Tout est analysable, tout est critiquable. La seule chose que je peux vous dire, puisque tout est raconté à la première personne et que c'est un roman, on n'arrive pas à comprendre vraiment ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je peux juste vous dire un seul mot. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne suis pas parfaite, j'ai essayé de faire un truc, je ne voulais pas partir de là en me frottant les mains. C'est tout. Bon, je voulais pas. Non mais attendez, juste, je... Non, ça va, d'accord. Non mais ils ont... Gérard, c'est vrai. Gérard. Moi je vais vous dire une chose simple, foutez-leur la paix. C'est-à-dire qu'ils ont vécu quelque chose qui m'a été raconté par d'autres personnes, qui l'ont vécu de plus ou moins près. Et devant ce type de récit-là, moi, je me tais. C'est-à-dire qu'ils ont choisi cette forme-là, c'est leur problème. Ils auraient pu choisir de se taire, ils auraient pu choisir de le raconter qu'à leurs amis. Faire, parce que si on ils avait auraient rien pu fait, choisir mille choses, ils ont choisi ça. Eh bien, ils ont bien fait. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont subi des traumatismes. Quand on a subi un traumatisme, personne ne peut dire la façon dont vous avez à en parler après. Il y a une façon de les écouter. Moi, j'ai lu votre texte, je ne l'ai pas jugé comme un document littéraire, j'ai pensé que ça vous était nécessaire, et comme tel, moi, ça m'a convenu. Et donc, je vous dis qu'on leur foute la paix à ces deux-là, comme on foute la paix à ceux qui ont subi ces traumatismes, qu'on ne les juge pas comme des auteurs, qu'on les juge comme des gens qui ont vécu l'abomination et qui ont envie de vivre. C'est tout. Je suis désolée, je voudrais te répondre. D'abord, Natacha Amal, moi je la trouve formidable en tant que comédienne, je l'adore, etc. C'est pas le problème. On nous demande notre avis sur un bouquin. Voilà. Et on donne notre avis sur un bouquin en toute honnêteté et objectivité. Il y a peut-être des gens qui nous regardent ce soir et qui ont besoin de savoir quel est le contenu de ce livre. On essaye d'être objectif en notre âme et conscience. Après qu'ils aient vécu un drame horrible et qu'ils ont besoin, eux, d'exprimer ça comme ça parce que ça leur permet de... Mais comme dans toutes les situations, Gérard, toi-même, tu l'as dit, on reçoit parfois des personnes ici qui ont été violées, qui ont été martyrisées par des familles, etc., etc. Et on nous demande notre avis sur un bouquin, on le donne. Et tu l'as dit très justement, on est extrêmement gêné de donner un avis sur ce bouquin parce que c'est grave, parce que l'heure était grave et qu'en plus, vous faites ça pour le bien des pêcheurs thaïlandais. Je viens de donner la définition de ce qui s'appelle la censure. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va dire? C'est génial, c'est un roman. Moi, je vais te donner la définition, je vais te dire, la définition que je viens de donner, c'est ce qu'on appelle le respect. Moi, quand quelqu'un souffre... Mais arrête, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, j'arrête de faire la leçon à tout le monde. Je ne fais pas la leçon, je vous dis le sentiment que j'ai. C'est pas vrai. Moi, j'ai trouvé ce témoignage formidable pour une raison simple, c'est qu'en règle générale, en effet, les gens nous en font le récit. Laurent, vous étiez là vous-même un jour où quelqu'un nous a fait le récit détaillé de la chose. Nous étions bouleversés. Vous avez choisi cette forme fictionnelle, mais c'est leur problème. Si vous nous demandiez de juger ça comme un... Mais c'est pas seulement comme un roman qu'on va juger ça. On juge comme un témoignage de vie. On ne reproche pas à Spielberg d'avoir monté la vie. Je vous dis, moi, alors il y a aussi quelque chose qu'il faut apprendre dans la critique. Je suis désolé. Même quand on lit... Dans la critique, je suis désolé. Est-ce qu'on peut participer au débat? J'adore aussi. Est-ce qu'on peut participer au débat, s'il vous plaît? Merci d'avoir... pris cette défense-là, et c'est effectivement dans ce sens-là. Je voulais vous dire aussi, par rapport justement à ceux qui ont souffert autrement que nous, ce livre, ça veut aussi être un hommage, ça se veut un hommage pour ceux qui ont souffert. Donc c'est sûr que quand on rend hommage à quelqu'un, je viens de dire, on ne sait pas si on l'a entendu, mais quand Spielberg a tourné la liste de Schindler, excusez-moi, ce n'est pas l'exacte vérité. Il a rendu un hommage à ceux qui avaient souffert sous l'affaire Schindler, ou ceux qui avaient été sauvés par Schindler. Il y a une part romanesque. C'est bien la preuve que c'est, je veux dire, c'est un piège en même temps de je veux dire, cette séquence, et Gérard le dit très bien, on l'a dit tout
à l'heure. Et de voir vos larmes, c'est bouleversant. Et on s'excuse, évidemment, de vous faire du mal en disant des choses qui vous ont peut-être déplu. Mais c'est, je veux dire, si quelqu'un fait un disque pour soutenir une cause, aussi noble soit-elle, un disque pour récolter de l'argent, pour donner de l'argent à des gens qui en ont besoin, on peut aimer ou ne pas aimer la chanson. Ce geste est formidable et j'espère qu'il pourra aider des pêcheurs à racheter. Le fait qu'ils donnent leur droit d'auteur, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'ils ont vécu qui m'intéresse. Quand quelqu'un fait un disque mauvais... Mais j'aurais aimé qu'ils me le racontent peut-être d'une autre façon. Mais eux, ils n'ont pas eu envie. Ils ont eu envie de te le raconter comme ça. Mais ils ont eu envie de faire ça. Mais alors, plus aucune critique n'est possible. Tu vas voir un film qui n'a rien à voir avec un drame et que le film ne te plaît pas. Le metteur, le réalisateur l'a voulu comme ça. Natacha veut dire quelque chose. Natacha, excuse-moi, tu es ravissante, tu es une merveilleuse actrice. Vraiment, j'ai juste pensé, moi, quand j'ai lu ce livre, je n'ai pas compris. Voilà, c'est tout. Je redoutais vraiment ce moment-là, parce qu'on a été interviewés avant et on n'a pas vécu ça, mais on savait que ça arriverait. Voilà. Donc, je le redoutais, pardonnez-moi de craquer, juste pour vous dire qu'on a été dans l'urgence, on n'a pas eu le temps d'avoir le recul pour choisir la forme, ni même le fond du fond qu'on aurait idéalement voulu mettre, puisqu'il fallait aller vite, puisque vous savez qu'aujourd'hui, même quand les gens sont touchés par un événement, ils le sont dans un laps de temps qu'il aurait donné par la presse, et que quand on est revenu, on n'était qu'à la moitié du bouquin. On est revenu le 5, on avait écrit comme des forcenés parce qu'on avait 9 jours à rien faire sur place, sauf à parler avec des gens et souvent on se réfugiait dans notre chambre tellement ça nous écrasait, ça nous étouffait. Et puis après, il a fallu tout mettre en forme dans un temps record, en parler à des éditeurs en même temps, sans avoir même terminé le manuscrit. Moi, je comprends complètement ce qu'a dit Gérard, mais je comprends aussi ce que disent mes camarades, parce que est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, quand même, dans votre entourage, pardon de dire ça, mais qui vous a dit, vous l'avez écrit, c'est très bien, est-ce que c'est utile de le publier? Voilà. J'imagine que quelqu'un qui nous a répondu, voilà. Je ne le citerai pas, mais je vais le citer, mais je ne vais pas donner son nom, un éditeur qui nous a dit, ce n'est pas du tout l'émotion que moi j'ai ressentie. Ce qui est sans doute le cas de certains d'entre vous. Et je lui ai répondu, parce que ça m'a prodigieusement énervé, je dis, c'est normal, votre émotion, vous l'avez reçue à la télé. C'est une vraie autre question que j'imagine d'autres journalistes que moi vont vous poser ou vous ont déjà posé. Pourquoi avoir créé une association alors qu'il existe déjà des tas d'associations, évidemment il y a des tas de choses qu'on a du mal à comprendre. C'est normal qu'on se pose ces questions. Pourquoi c'est normal de se les poser. Créer une association pêcheurs de Thaïlande, parce que le dernier chapitre d'ailleurs l'exprime de manière peut-être un peu romanesque aussi, j'ai vu un pêcheur seul en train de regarder presque en pleurant sa barque qui était noyée. Et il y avait un photographe d'une agence américaine, Reuter, pour ne pas la citer, qui voulait faire une photo de ce pêcheur avec sa barque. Et ce pêcheur s'est levé, a fait un salut bouddhiste et a souri. Et il dit, oui, non, mais c'est pas ça, je veux te voir triste devant ta barre, qui voulait vendre sa photo. Et le pêcheur a continué à sourire tant que le photographe était là. Et on s'est dit, est-ce qu'ils sont laissés pour compte? Oui, ils sont laissés pour compte. Pourquoi? Parce que les pêcheurs, ce sont des pêcheurs. On aide d'abord les enfants qui meurent de faim, de soif. On envoie des médicaments à Sumatra. Et tout ça est très bien. Nous avons aussi donné, comme tout le monde, je crois, en France, on a fait aussi notre petit chèque pour tout ça. Mais les pêcheurs de Thaïlande ne reçoivent pas un franc pour l'instant, des ONG, des organisations des gens mondiales. Des qui aident sporadiquement, voilà. Mais c'est un bateau. Hein. Mais peut-être la solution aurait été alors simplement de recevoir, évidemment, nos invités, de leur demander de nous parler de leur livre, de ne faire aucun commentaire, de dire à notre public que ce livre existe et que nous recommandons de l'acheter, puisque, entre autres, les bénéfices iront aux pêcheurs de Thaïlande, et basta, ensuite d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes du tsunami. Comprendre ce qu'ils ont fait. On aurait pu faire ça. Aussi. Eh bien, ouais, dans cette ambiance plombée à souhait, c'est toujours intéressant de passer en dernier. Voilà, je ne voudrais pas que la dame ressorte des Kleenex, vous n'en avez plus, puis moi j'ai horreur de faire pleurer les femmes, à part la mienne.
Moi, je voudrais simplement parler, on ne va pas parler du livre, hein, bien que je ne suis absolument pas d'accord du tout avec Gérard. À partir du moment où on écrit quelque chose, on se prête à la critique. Mais moi, ce qui m'énerve dans ce truc-là, c'est que j'ai lu pas plus tard qu'il y a deux jours dans le journal qu'il y a des millions d'enfants qui, dans ces pays, en particulier, travaillent depuis l'âge de 8 ans. Il y a des millions d'enfants qui crèvent de faim dans des pays surendettés par les pays occidentaux, des millions de personnes qui vivent en dessous du niveau minimum de vie, tout ça dans une mare d'indifférence le restant de l'année, sauf quelques ONG qui sont sur place, et que cette vague de solidarité et d'éveil des consciences ponctuelles dans une mare d'indifférence annuelle, moi, ça finit par m'agacer profondément. Ces soirées spéciales, ces opérations exceptionnelles, ces appels aux dons, ces créations de la société, ces matchs de foot, ces disques, ces livres, les minutes de silence, comme ça, précédées par des années de surdité occidentale, j'en ai marre. Parce que n'oublions pas que cette catastrophe est naturelle, alors que ça, ça ne l'est pas naturel. Et on pourrait changer les choses. Point. Et voilà. Pardon d'avoir fait couler ces quelques larmes. J'espère que vous nous ferez rire à nouveau très vite, comme la dernière fois. On vous avait reçu pour la pièce avec Bernard Tapie, où on vous a trouvé tellement drôle sur scène. Donc on a hâte de vous revoir. Et si effectivement, pour vous revoir dans cet état-là, il fallait passer par ce livre, eh bien tant mieux, et vous avez bien fait de l'avoir fait. Là-dessus, Gérard a raison. Après, à chacun, effectivement, d'en penser ce qu'il veut. Et c'est ce qu'ont exprimé mes camarades. D'accord ? Merci à tous les deux. Merci. Natacha Amal et Claude Rapp. Merci, au revoir et à demain.